Nous retournons maintenant à la Courneuve. Il y a un an, le 19 juin 2005, un enfant a été tué par une balle perdue lors d'un règlement de compte. L'affaire avait provoqué une vive émotion. Des promesses avaient été faites par Nicolas Sarkozy. Promesses d'emploi pour les jeunes du quartier. Promesses de renfort d'effectifs au commissariat. 12 mois plus tard, le maire de la Courneuve estime que ses engagements n'ont pas été tenus. Alors qu'en est-il réellement? Enquête Gilles Marinet, Tristan Lebras. Le terme « nettoyer au Karcher » est un terme qui s'impose. C'était en juin 2005, après la mort du petit Sidi Ahmed, tué par balle à la Courneuve. Nicolas Sarkozy promettait à sa manière de restaurer la sécurité. À côté du maire communiste, il annonçait également des emplois pour les jeunes. 257 embauches directes ont été recueillies, dont 158 à pourvoir immédiatement. Un an plus tard, le maire affirme que rien n'a changé. En matière de sécurité, les faits de délinquance ont même augmenté de 18,43%. Chiffre officiel, il attend encore les renforts. En termes de police de proximité, qui est à mon avis un des maillons essentiels pour reprendre confiance, renouer y compris le dialogue entre police et habitants dans les quartiers, on n'a eu aucun moyen dédié spécifique. Le ministère de l'Intérieur affirme que 10 policiers supplémentaires ont été affectés au commissariat de la Courneuve. Le maire n'a pas obtenu la police de proximité dont il rêve et il lui faut écouter les habitants des quartiers se plaindre des opérations coup de poing jugées inefficaces. Une trentaine de policiers ou de CRS pour prendre plan à un ou deux jeunes. Et le soir même, donc il y a plein de handicaps, on ne peut même pas sortir. Pour l'emploi, la NPE, la mission intercommunale, de grandes entreprises se sont mobilisées. 242 Courneuviens sont entrés en entreprise, la plupart avec des contrats courts. 42 ont décroché un CDI, 164 une formation. Un bilan mitigé puisque les contrats courts ont rarement été renouvelés. Aujourd'hui, les entreprises ne désirent pas en parler. Le profil des candidats ne coïncidait pas toujours avec les besoins des employeurs. Il y a eu beaucoup plus d'écoute de la part des entreprises en direction de la mission locale pour l'emploi. Maintenant, elles ne peuvent proposer que ce qu'elles ont en magasin, entre guillemets, c'est-à-dire les postes qu'elles ont l'intention de pourvoir, avec des compétences attendues. Une question de formation, mais au pied de certains immeubles, comme à la Cité Verlaine, il y a aussi ceux qui ont décidé que les emplois proposés, souvent peu qualifiés, ne leur convenaient pas. Moi, je suis même inscrit à la NPE, il y en a plein qui sont inscrits ici à la NPE. D'accord, du boulot, il y en a, tu vois, c'est pas vrai, on va pas dire qu'il n'y en a pas. Mais les boulots qu'on nous propose, c'est des boulots de magasinier, payés 906 euros par mois. On ne peut même pas préparer notre avenir. On ne peut rien faire du tout avec tout ça. Cet état d'esprit n'est pas celui de tous. 500 jeunes avaient postulé. Quelques dizaines ont trouvé un emploi stable. Le taux de chômage à la Courneuve reste de 20%.